Non, claf. Bonjour! Alors, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Clarence CC. Mickey! On est deux étudiantes en médecine vétérinaire. Oui. Et on a une chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on filme une vidéo très... Cozy. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un mukbang ou un mukbang, je sais pas comment prononcer. Q&A! On est allé chercher du shish tahouk. Oui. Parce que c'est à ça qu'il y a vraiment bon shish tahouk. Et on va manger du shish tahouk. Puis on va répondre à des questions que j'ai reçues depuis que j'ai commencé ma chaîne, depuis le début de l'année. Il y a quand même beaucoup de monde qui m'envoie des questions, parfois sur mes vidéos ou juste en privé, sur Insta ou sur Messenger. Fait que moi, puis Mekrit, on va essayer de répondre. Je me suis dit qu'on pourrait faire profiter à tout le monde des questions des gens et de mes réponses. Et des réponses à Mekrit. Exact. C'est ça que j'allais dire. Chanceux. Ok, on va montrer qu'est-ce qu'on mange. Ok, quand. Alors moi j'ai des petites patates avec la sauce à l'ail. Oh, comment je vais faire? J'aurais dû me laver les mains. Corona. Avec okay, je vais un shish tahouk au falafel. Mais il y a un pain pita au-dessus. Okay, ça avait vraiment l'air bon. Non. Mais quitte à dire quelque chose. Je dois en dire quelque chose, guys. Quoi? Je voulais juste dire que... Claire! Est-ce que c'est croche? En arrivant ici, elle savait pas c'était quoi le shish tahouk. Ah là! Et c'est pas parce qu'on n'a pas à Québec, ok? Quand je suis allée à Québec au Dagobert, il y avait un shish tahouk juste en face. Non mais, je savais c'était quoi, j'en avais juste jamais mangé. Quelqu'un m'en avait acheté en plus. Un gars. Ok, tout le monde. Alors, nous allons commencer avec une première question. J'ai mon iPad, je suis tellement professional. Ok. C'est vraiment excitant parce que, mais écoute, c'est pas quelle question j'ai choisi. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de garçons qui se dirigent vers la médecine vétérinaire? Et est-ce qu'en général, c'est une branche de femmes? Ben, ok. On va pas se le mentir, guys. Il y a vraiment pas... Il y a pas beaucoup de gars dans la cohorte. On est 96 dans la cohorte. Il y a quoi? Il y a 10 gars? Ouais. C'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas... J'ai vraiment pas l'impression que c'est une branche de femmes. Genre, le métier, c'est pas un métier de femmes. J'ai l'impression que c'est la c'est même ça, chose. C'est ça, pire. C'est ça. C'est la même chose que pour les médecins humains. Genre, avant, il y avait juste des médecins gars. Puis avant, il y avait juste des vétérinaires gars. Mais là, c'est rendu que c'est comme prédominé par les femmes. Mais avant, en médecine vétérinaire, il n'y avait pas de femmes. Ça n'existait pas parce que les vétérinaires, ils faisaient tout. Fait que tu sais, c'était considéré comme un métier super physique vu que tu travaillais avec les animaux de la ferme et tout ça. Ils étaient genre, oh, les filles sont pas capables de faire ça. Mais là, on est capable, évidemment. Mais c'est vraiment pas un métier de femmes, là. Clairement pas. On va-tu parler des bovins? Yo! Genre, quand t'essaies de prendre une prise de sang à une vache pour la première fois, là, c'est un workout, là. Ok, on va passer à une autre question, là, parce qu'on a beaucoup de questions. Je viens de parler comme toi. On va passer à une autre question, là. Question, ouais. Ok, oui, ça, c'est vraiment une excellente question. C'est une question que j'ai reçue après que j'ai fait une vidéo où est-ce que je parlais de la première année. Puis j'ai parlé que j'avais commencé à travailler en première année, tu sais, je travaillais à un resto. Là, j'ai une question comme ça. Puis j'avais trouvé ça vraiment trop, puis j'avais arrêté de travailler. Puis quelqu'un m'a demandé, tu as dit que tu avais arrêté de travailler, mais je me demandais financièrement comment tu es arrivé avec ton appartement et tout, si ça te dérange pas. Ben ça me dérange pas partout. C'est une bonne question, là. We're going in the juicy, juicy. We're going in the juicy, juicy. I hate that. Okay, sorry. C'est ça. Je dirais, dans mon vidéo, j'avais dit que... En première année, je trouve ça impossible de travailler. Mais tu vois, en deuxième année, je pense que c'est possible de faire quelques chiffres par-ci, par-là, une fois que tu t'es vraiment habitué puis tout. Mais de façon générale, je veux dire, c'est vraiment pas assez pour payer les études. Mais ça dépend, c'est différent pour tout le monde, mais la plupart des gens, ils peuvent avoir des prêts et bourses. Sinon, la plupart des gens, ils travaillent l'été, puis ils accumulent, tu sais, il y a possibilité d'accumuler quand même beaucoup d'argent si tu travailles à temps plein tout l'été pendant 4 mois. Puis sinon... Et souvent, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que les gens, ils se prennent une marge de crédit parce que quand tu étudies en médecine dentaire, en médecine vétérinaire, les banques sont genre « Wouhou! » Ouais, il m'a fait « Welcome, Yashik, ma femme. » Ouais, c'est ça. Mais on a accès à des marges de crédit fou, là. Genre, c'est vraiment fou les montants qu'on aurait le droit, mais clairement, personne ne prend ça. Puis c'est des
des taux d'intérêt vraiment avantageux. Puis dans le fond, en tout cas, moi, pour ma marge de crédit, t'as pas besoin de, j'aurais pas besoin de commencer à rembourser avant 2 ans après ma graduation. Puis je peux aussi utiliser ma marge de crédit pour me partir en affaires. Puis genre, le taux d'intérêt est vraiment pas élevé. 2 ans? Ouais. Moi, c'est direct après. T'as pas magasiné. Mais tu sais, considérant le métier que tu vas faire après, tu sais, il y a beaucoup de gens qui décident de... pas travailler pendant l'année scolaire puis de, tu sais, de rembourser un petit peu quelques petites dettes après les études là. C'est un choix personnel, mais moi en tout cas je trouve que c'est vraiment un choix qui est possible là. Puis tu sais, notre métier là en ce moment, c'est d'être étudiant en médecine vétérinaire, c'est déjà un métier à temps plein là. Non, mais c'est la même chose. C'est déjà vraiment un métier à temps plein, alors pourquoi tu parles comme ma mère à chaque fois? C'est parce que je suis tellement mature. Sérieux, wow. Sérieux, wow. Ok. Regardez mon rap, comment il a l'air bon. Ok. Le mec est en train de dire, c'est pas un rap, c'est un chiche, t'as l'air. Il l'avait dit et je l'ai appris à ne pas dire un rap. Mais là, c'est comme un rap. Ok, excuse-moi. Comment est la ville de Saint-Hyacinthe? Calme, vivant, magasin, restaurant. Tu parles, tu me demandes en premier, hein? C'est vraiment différent de la ville à Montréal. À Montréal, c'est une grande ville, il y a le centre-ville. Déjà, le centre-ville, c'est gros, puis c'est assez spécial. Puis j'ai réalisé ça en même temps à Saint-Hyacinthe. Ouais. Genre, il y a tellement de vie à Montréal, puis à Saint-Hyacinthe, on dirait qu'il y a presque personne. Mais ça, c'est aussi parce que je sortais pas beaucoup de chez moi, puis je vivais dans un 1,5, puis... Ouais, l'affaire, c'est, tu sais, c'est sûr, on s'entend, premièrement, ça s'appelle Saint-Hyacinthe, faut pas s'attendre à ce que ce soit Montréal. Mais tu sais, vu que moi je venais de Québec, tu sais, c'est vraiment une grande ville, là. C'est Québec, mais que t'as venu de Montréal. C'est sûr qu'à Saint-Hyacinthe, comme il y a un café où tu peux aller étudier, c'est le Van Nuut. Il y a comme un centre d'achat, il y a un minuscule centre-ville. Tu sais, c'est vraiment pas. C'est pas une grosse ville, mais qu'est-ce que moi je trouve qui est vraiment le fun, c'est que. Genre, il y a personne qui vient de Saint-Hyacinthe, tout le monde vient d'ailleurs, puis tout le monde déménage proche de l'école. Fait que tu sais, on vient toutes d'ailleurs, fait que tout le monde n'a pas le choix comme de se retrouver ensemble puis de trouver des petits trucs le fun à faire à Saint-Hyacinthe, d'aller voir un petit peu les horizons. Genre, il y a le Mont-Saint-Hilaire, juste genre à 25 minutes. Ouais, ça c'est nice. Fait que tu sais, pour... moi je trouve que la communauté étudiante c'est vraiment le fun, mais la ville en tant que telle, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus cool là, c'est la campagne. Exact, mais moi je dis ça, mais quand j'étais petite, j'arrêtais pas de dire « Ah, plus tard dans la vie, je vais vivre en banlieue! » C'est en banlieue, ouais. Tu vas pas mettre ça. Je suis genre... Tu vas pas mettre ça. En banlieue, je suis dans le sens. Vivre en campagne. Mais je pense que oui, en banlieue. Ouais, je pense que oui. Vivre en campagne, ça a toujours été un peu mon rêve. Parce que j'ai toujours voulu. Quand j'étais petite, je voulais vraiment avoir. Mais pas quand j'étais petite aussi. Maintenant, j'ai envie d'avoir une ferme un jour. Puis ouais, c'est ça. L'idée de vivre en campagne, moi, ça m'a toujours intriguée. Mais une fois que je suis venue ici, c'était une autre histoire complètement là, comme... Juste que rien à faire. Ouais, puis ma mère, moi, ma famille là-bas, mes amis là-bas, ça me manquait vraiment. Yes. Et quelqu'un qui m'a demandé, je me demandais comment tu es rentrée en MedVet, est-ce que tu as fait un bac avant? Ouh! Point final. You got crunchy, crunchy, crunchy questions. Alors, moi, j'ai pas été à l'université, j'ai été acceptée directement du cégep. Non. Oh my god! Genre... Ok, c'est pas grave! On va faire comme si on n'avait pas. Bang bang, whatever gone wrong! Ouais, mug bang gone wrong! Moi? Je suis rentrée de dire. Ok, ouais, moi ça a été short and sweet. Ok, moi je n'y étais pas dans la vie. Moi là, c'est. Bon, fait que là, moi je suis. J'ai fait mon cégep en sciences nat, obviously, en 2 ans. Non, honnêtement, j'avais peur de pas être acceptée. I'm not gonna lie. Ok, alors bref, voici notre parcours, mais je vais avoir une question tantôt pour qu'on va pouvoir élaborer plus sur le cégep et ça. Ok. C'est toi qui as répondu? Non, c'est une question. Ok, t'es populaire. Non, je suis populaire. Moi et mes 115 abonnés. Moi, ok, environ quel quota permet d'accéder au programme selon toi? Connais-tu des gens ayant été acceptés avec des cotes de 34? Ou est-ce que la majorité avait au-dessus de ça? Aussi, à part le Casper et les notes, y a-t-il autre chose qui est avantageux d'avoir, exemple, lettre de recommandation, expérience? Ok. Je peux déjà amener un truc. Comment outre le Casper et les notes, y a rien qui peut faire. Ok, c'est ça. Genre les lettres de... Non, ça prend pas de lettre de recommandation. Les lettres de recommandation... T'envoies pas de CV non plus, faut que... Ouais, non, on peut déjà éliminer ça. Ouais. Pour la cotère, ouais. Moi, je vous dirais, c'est sûr que...
Moi, ça me dérange pas de le dire. Non, mais nous, on est en deuxième année, fait que c'est sûr que ça va avoir augmenté depuis notre année, définitivement, un peu. Moi, je pense que, rendu à maintenant, il faut vraiment que t'aies en haut de 34, mais moi, là, je suis rentrée, c'est-tu avec quelle cote? Oh my god, Claire devrait le dire parce que c'est un gros, gros show. Ah! Non! Ouais, tu sais, j'avais quelqu'un? Oui! Mais c'est pas un choix, pense. J'avais en bas que toi. Ben justement, ah, okay. Fait qu'il est rentré parce que t'avais même pas une aussi bonne cotère là. C'est bon, mais c'est... On dirait que c'était pas... J'entendais pas ça. Okay, go. Moi, je suis rentrée avec 33,85. Fait que moi, j'avais en bas de 34 puis je suis rentrée là. Mais moi, j'étais... Wow. Je pense... J'étais comme mise sur la liste d'attente. Voyons, je suis dans pas pour ma vie. C'est un gros flex. Ouais. Mais tu sais, pour... si t'as en bas de 34... En tout cas, moi, quand je suis rentrée, fait que là, 2 ans... Si tu rentrais en bas de 34, c'est parce que à ton Casper, genre, okay. T'avais genre 100%. Wow. Mais ouais. Fait moi, je pense que 2 ans plus tard, faut avoir minimum 34, là. Parce que moi, j'étais parmi les plus bas. Je pense qu'en notre année, genre, le plus bas, elle avait genre 33,7 quelque chose, là. Puis moi, j'avais 33,8. Fait que moi, je suis dans une des plus basses cotères. Alors, pour ceux qui savent pas, pour rentrer en MEVET, c'est 60% ta cotère et 40% ton Casper. Casper, c'est un genre de test de personnalité, un test de jugement dans différentes situations. Ouais. Fait que bref, moi je pense que, pour répondre à la question de la personne spécifiquement, moi je pense que 34 c'est rendu un minimum, 2 ans plus tard c'est un minimum là. Pour être réaliste avec les gens qui veulent entrer en MEDVET, même si ça affiche 33,6, ouais. Je devais viser pour un 35. Parce que dites-vous que la personne qui a 33,6, c'est la personne qui a eu le meilleur Casper. Littéralement, c'est la personne qui a eu le meilleur Casper, exact. C'est rentrer avec 33,6. Mm-hmm. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est ta personnalité, c'est ton expérience de vie. Moi, je pense qu'il faut viser genre 34,5. En bas de ça, peut-être que tu vas être sur la liste d'attente. Peut-être que tu vas t'accepter, j'avais 33,85 là, le 2 ans. Ouais, clairement, c'est l'espoir que vous devez. Moi, je suis l'espoir, là, exactement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Puis dans le fond, la personne m'a expliqué qu'elle avait une cotère, qu'elle avait pas une cotère assez élevée pour rentrer en MEDVET. Puis elle m'a dit, dans le fond, elle m'a demandé un petit peu mon avis. Si je croyais qu'elle serait mieux d'aller faire la technique en santé animale ou d'aller à l'université pour essayer de rentrer en MEDVET si t'es pas capable de rentrer à partir du cégep. On a eu cette conversation-là. C'est ça que j'allais dire. Là, vraiment pas longtemps. Mais... Puisque je suis pas allée à l'université et que j'ai pas fait la technique en santé animale, quand la personne m'a posé cette question-là, j'avais fait un petit peu... J'avais posé des questions à du monde, là. Fait que j'avais demandé des questions à des gens dans notre classe qui ont fait leur technique. Parce qu'il y a 3 filles dans notre classe qui étaient techniciennes, qui avaient fait leur technique. Mm-hmm. Puis on a aussi vraiment beaucoup d'amis qui sont rentrés à partir de l'université. Ouais. Fait que j'ai comme posé les questions à tout le monde, puis j'ai essayé de gauger un peu, tu sais, c'était quoi la meilleure option pour les personnes qui sont dans la situation ou sont pas acceptées à partir de Sciences Nat. Puis ce que la majorité des gens m'ont dit, c'est qu'ils conseillent vraiment plus d'aller à l'université que d'aller à la technique. Parce que qu'est-ce que les filles techniciennes m'ont dit? C'est que de façon générale, c'est vraiment dur d'avoir une bonne cote dans la technique. Puis aussi, je sais pas combien de personnes y acceptent à partir de la technique par année, mais c'est vraiment pas beaucoup, là. Aussi. Alors que à partir de l'université, ils acceptent plus de gens que du cégep. Voilà. Puis c'est ça l'affaire. Ok, ça c'est smart. Puis aussi, à partir de l'université, un conseil qu'on m'a donné, c'est sûr que ça dépend d'où tu habites, mais les gens qui vont à l'Université de Montréal, ils ont une bonification sur leur cote de 0,5. Voilà. Ce qui est vraiment non négligeable. Alors, ce que les gens conseillent de façon générale, c'est d'aller en bio à l'Université de Montréal. Habituellement, c'est ce que beaucoup de monde font s'ils veulent être acceptés en MEDVET ou un programme comme ça par après, parce que tu peux vraiment choisir tes cours par toi-même. Fait que c'est des choses qui t'intéressent. Puis si tu vas à l'Université de Montréal, tu as une bonification. C'est sûr que je viens de Québec, puis je sais qu'il y a plein de gens qui viennent pas de Montréal. Fait que est-ce que les gens sont prêts à déménager pour avoir une bonification? Je sais pas, mais c'est ce qu'on m'a conseillé. Sinon, je sais qu'on m'a dit qu'en ergo, tu peux avoir des super bonnes notes, mais oui! L'ergo, c'est une discipline. Tu sais, c'est vraiment différent, là. C'est pas de la médecine, là. Fait que t'as des cours d'anatomie, oui, mais t'as beaucoup de cours sur l'autonomie et les troubles cognitifs. Fait que faut que ça soit une discipline qui t'intéresse vraiment, sinon tu vas pas accrocher. Mais si ça t'intéresse, c'est quelque chose qu'on m'a conseillé. L'ergo, mais j'irais vraiment plus à l'université que la technique. Ouais. Puis j'ai 2 amis qui m'ont dit qu'au cégep, je pense qu'au cégep il y avait comme 30 de cotère, puis ils ont été acceptés après 2 ans d'université. Fait que c'est vraiment possible, même si t'avais pas 33 au cégep, si t'avais comme environ 30, là, c'est vraiment possible de monter tes notes en 2 ans d'université. Oui, parce qu'en plus ta cotère elle s'efface.
plus c'est ça. Plus tu continues, plus que ta quota se fasse. Ta quota se fasse. Fait que... Puis en plus, mon mari s'en fait beau. Je suis d'accord, mais j'allais juste rajouter un truc. Oui, quoi? Alors moi, j'allais rajouter que... Que? Quoi? Comme tu disais tantôt, pour mettre plus d'ampleur à ce que... Plus d'emphase sur ce que tu disais. Oui. Il y a 3 personnes seulement dans notre classe qui viennent de ce programme au cégep de technique en santé animale. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, sur 96 personnes... 3 personnes sur 55 environ qui venaient de l'université, mettons. C'est ça, il y a genre plus que 50 personnes qui viennent de l'université, puis il y en a 3 qui viennent de la technique. Fait que si tu fais ta technique au lieu de faire l'université, moi je pense pas que c'est le bon chemin. T'aurais peut-être plus d'opportunités. Parfait, prochaine question. On a beaucoup de questions. Oh, c'est une excellente question. Pensez-vous que c'est possible d'étudier en médecine vétérinaire en prenant le tour de Montréal à Saint-Hyacinthe à tous les jours? Oh, ça c'est trop une bonne question. C'est vraiment nécessaire d'habiter près du campus. Ben, jamais ici. Parlons de... J'ai demandé à un de mes amis pour répondre à la question, parce qu'on a un de nos amis qui a fait la route. Il faisait la route à tous les jours, puis... Non, mais lui, c'est... Qu'est-ce qu'il m'a répondu, c'est que le matin, il partait avant 6h du matin. Genre, avant 6h du matin, il était en route. Puis, il attendait à l'école jusqu'à genre 7h du soir pour repartir, pour pas avoir du trafic. Puis il conduisait vite. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je sais pas à quel point j'aimerais perdre autant de temps à tous les jours dans du transport. Déjà qu'en première année, je trouvais qu'on était tellement chargé qu'imagine perdre genre 2 heures à tous les jours dans le transport. Je trouve ça fou. Mais c'est le choix de chacun. Ouais, exactement, c'est le choix de... C'est le choix de chacun. On a un ami qui l'a fait, c'est le choix de chacun. Ça dépend vraiment de chaque personne, mais plus tard dans le programme, c'est pas possible. Probablement pas, mais peut-être que oui. C'est possible, mais c'était sur appel. Ouais, c'est vrai. J'ai une question. Ouais. Ah, ça c'est pas une question. Mais quelqu'un qui a dit j'ai fait ma 4e demande cette année, j'espère que ça sera la bonne. Oui, bonne chance! On a une amie qui est rentrée après 6 demandes. Il y a quelqu'un dans notre classe qui est rentré après sa 6e demande. Alors, oui. T'es-tu sérieuse? Ouais. Faut vraiment pas abandonner! Si tu tiens vraiment stick to your dream. Oui. Let's go. Bravo, on t'encourage. Yes. Yep. Il y a quelqu'un qui m'a demandé à quel cégep je suis allée. Ouh. Pour l'aider. Moi, je suis allée au cégep Sainte-Foy à Québec. Oh, moi, je suis allée à Vanier. And I cannot recognize. C'est où Vanier? That's why I don't stop speaking English, by the way. As-tu aimé ton cégep? Oui. Genre, c'était le meilleur équilibre entre la vie sociale. La vie sociale, puis. Est-ce que c'est sociale ou sociale? Ouais, sociale. C'est correct? Entre la vie sociale, puis. Les études. Voir to grab. Entre la vie sociale et les études. Sinon, tu recommanderais quel autre cégep à Montréal? Je recommanderais probablement, fort probablement, Dawson, qui est encore une fois un cégep anglophone. Mais la raison pour laquelle je recommande fortement les cégeps anglophones, c'est parce que c'est... Il y a des cours qui sont. Techniquement plus facile que... Et en passant, j'ai posé mes questions avant d'aller au cégep. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je suis bien. J'ai posé mes questions à des gens qui étaient au cégep, obviously, puis ils m'ont tout dit ça, puis je confirme que dans les cégeps anglophones, on a un cours de... qui s'appelle le cours de Humanities versus le cours de philo en français. Le cours de philo est tellement plus dur comparé au cours de Humanities, qui c'est généralement des sujets d'éthique. C'est un cours d'éthique. Sinon, moi, à Québec, je suis allée au cégep Sainte-Foy. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Là. Personnellement, là, le programme de Sciences Nat, moi, j'ai vraiment aimé ça. Et sinon, je sais que Saint-Laurent, qui est un cégep en anglais, à Québec, les gens ils aiment vraiment beaucoup ça. Puis je connais vraiment beaucoup de monde qui sont allés à Saint-Laurent puis sont rentrés dans des programmes comme MED et tout. Alors, je pense que pour les notes, c'est quand même bien. Mais moi, la raison pourquoi je suis pas allée à Saint-Laurent, c'est parce que c'est un minuscule cégep. Là. C'est comme... Il y avait moins de monde qu'à mon école secondaire. Fait qu'il faut, tu sais, que tu veux un peu avoir cet environnement-là. Moi, je voulais vraiment avoir un gros cégep avec plein de programmes, plein de monde, parce que j'arrivais dans une école privée avec des gens super snob. Alors, je voulais un petit peu de diversité. Super snob. Alors, je voulais un petit peu de diversité. Moi, j'allais dire que, ouais. Ben moi, là, je m'excuse, mais c'était ça, pareil. C'est un super bon secondaire, mais c'était des gens extra snob. Alors, moi, je voulais avoir une expérience complètement différente pour mon cégep. Mais Saint-Laurent, les gens aiment beaucoup. Oh, at the end of the day, go to Vanier, because it's lit! Cette fois!
Mais honnêtement, moi, je me rappelle que, je sais pas pour toi, au secondaire, mais au secondaire, il y avait genre des grosses discussions. Ah, oh, si tu vas à tes cégeps, si t'es meilleur que tard, si tu vas à tes cégeps. Mais honnêtement. Oh, c'était tellement stressant quand tu C'était vraiment stressant, mais en bout de ligne, genre, si tu démarches, peu importe à quel cégep tu vas aller, ça change non, rien. Mais il faut que l'environnement t'aime ça. Ouais. Comme moi, là, ça va changer ta motivation, ça va pas nécessairement changer ta cote, moi je pense. Alors, voilà pour mon vidéo, tout le monde. Ok, non, c'est vraiment mauvais. Je sais, c'est normal ça, parce qu'on est fake. C'est parce que c'est toujours la partie la plus. Mais c'est fake. Dur! C'est vraiment dur! Ok, tout le monde! Merci d'avoir regardé mon vidéo. Arc, je parle comme un. Merci d'avoir regardé sa vidéo. I love her. Oh, I love you more. Alors, merci Lucas d'avoir fait partie de ma vidéo. Est-ce que t'as aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. Ah oui, c'est fun, hein? Moi, j'ai vraiment aimé. Ouais, ça va être chaud. Alors, merci tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir toutes mes vidéos. In the comments. Oui, et commentez si vous avez d'autres questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas d'aller voir la chaîne à McLean parce qu'on va filmer une vidéo vraiment cool, ok? Là, ça va être une vidéo qui va être nice, un peu plus. Dans le sens, ça va être un peu plus hors du sujet de la Malvette, mais je pense que c'est le meilleur temps parce qu'on est finalement en vacances. Yes, sir. Ok, merci, à plus! Bye!